De Maya Bobo Ya. Il est un petit peu je préfère ne pas mourir que de t'épouser. Le mon ma belle, avec une longue barbe, il est puyé. Le mon ma belle, il avait la bave qui sortait de la bouche. Mon village est niché au cœur de la forêt, comme une calvitie sur la tête. Et son feuillage touffu regorge de secrets, contes et légendes. Ah oula oula! Ce jour-là était très calme. Je ne fuis. Vas-tu m'épouser? Et Soali lui a répondu non. Je préfère mille fois mourir que de t'épouser toi. Je vais t'offrir des colliers d'or et des diamants et des saphirs. Tu auras un grand palais taillé en ivoire d'éléphant. Soali, épouse-moi, Soali. Tu es bête, quoi? Et Soali, tu crois que je vais t'épouser pour tes diamants, pour... Non! Choisis les panthères ou tu m'épouses. Et Soali, toute seule, attachée au poteau, pleurait. Macamayon, Macamayon, Macamayon est ta mère. Au soleil, au soleil, Macamayon est ta mère. Macamayon est ta mère. Ah, oula, oula! Et pendant voilà que les panthères qui a dévoré le gibier, qu'est-ce qu'il fait? Il la délivre. Il la délivre. Alors il la délivre et il se met à courir dans la forêt. À courir, à courir, à courir, à courir. Elle est partie où? Par là-bas. À la table. En voulant entrer dans la grotte, il y avait deux points rouges qui les regardaient. Des yeux rouges. C'était quoi? Non. L'ours? Non. Un kangourou? Non. Un loup? Non. La souris? Non. C'était un énorme serpent. Et le serpent leur dit: bienvenue les enfants. Approchez. Approchez. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici? Alors, la jeune fille commence à parler en tremblant. En fait, il y a un grand monsieur, il était énorme, il était laid, et puis il a dit qu'il m'épouse, et puis j'ai ramené. Calme-toi, calme-toi. Alors, serpent, je t'explique. C'est qu'en fait, cette jeune fille allait se marier de force avec un monsieur qu'elle n'aimait pas. Alors, elle a décidé de s'enfuir et puis elle a été arrêtée et attachée au poteau et livrée aux panthères. Et là, je l'ai délivrée et les panthères sont à notre poursuite, s'il vous plaît. Cachez-nous, cachez-nous, cachez-nous. Et le serpent leur dit... J'adore les enfants. Ah oula oula! Vous voulez que je vous cache? Ah oula oula! Et quand le serpent sort sa tête de la grotte, il croise une meute de panthères qui courait et qui s'arrête net devant sa gorge.
chauffe. Ah. Bonjour, serpent. Oui, bonjour. S'il te plaît, est-ce que tu nous as pas vu passer une belle jeune fille? Elle s'appelle Swahili, en fait. Et un jeune garçon, tu ne les as pas vus? En fait, ce sont nos amis, nous voulons les récupérer, nous avons des cadeaux. Mais alors, on ne sait pas pourquoi ils se sont enfuis. Est-ce que tu peux nous dire où ils sont? Oui, je sais où ils sont. Je sais où ils sont. J'avais vraiment très faim. Vous savez, un pauvre serpent, c'est pas tout le temps que je vois d'aussi belles créatures qui se baladent dans la forêt. Alors je les ai avalées. Oh oh yabo, oh yabo, oh oh yabo, yabo yabo yabo, yabo carton si yabo. Ah oula oula. Mabé, mayonnaise, la mon mabé, mayonnaise. Mayonnaise.